Pardon. Pourquoi vous aimez pardon? Tu as gâté la famille. Tu as mangé. Tu as gâté. Tu as attaché. Heureusement pour cette famille. Heureusement. Si vous n'étiez pas venu ici, là, vous allez pleurer. En décembre encore, la vie allait mourir. Tu as mangé, il y a l'air contre les gosses. Tu quand il y a neuf. Tu manges. Et pendant que les gens font des funérailles, ils en pleurent. Toi, tu fais, on appelle ça les larmes de crocodile. À cause de ça, on peut faire plus. Tu as vu? Madame, tu as vu? Toi-même, tu sais que le malheur, là, c'est toi qui as la base de ça. Et tu as les bras croisés, tu regardes. Les gens font les funérailles, on met l'argent dedans. Et puis après ça, tu viens, tu gâtes. Et tu es caché, tu gâtes. Comment est-ce tout ça? Je suis en train de parler à la sorcière. Pas maintenant, c'est au dépense carré, puis tu es là. Mais tu réponds pas. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce tout ça? C'est pas normal. Et toi, tu fais ce qui n'est pas normal. Donc, quand quelqu'un fait ce qui n'est pas normal, on l'exclut, on la nerve. Hein? Tu me demandes pardon, pourquoi? Tu veux vivre? Tu veux faire quoi? Tu vas vivre là, tu vas envoyer quoi? Tu ne connais pas papier, tu ne sais pas chercher l'argent. Tu as gagné l'argent, toi, tu peux gagner l'argent. Toi, tu peux chercher l'argent pour gagner. L'argent va te fuir. Faut respecter l'argent, l'argent là, ça n'est pas partout. Hein? L'argent que tu vois là, c'est pas dans n'importe où, mais ça rentre. Toi, t'as venu prendre l'aïe, puis l'aïe dit, viens me prendre. Toi, comme ça, l'aïe ne peut pas t'accepter. Tu ne peux pas donner, toi, tu peux donner l'aïe à ta maman. Tu ne peux pas payer son pain. Tu ne peux pas aider la famille. Tu es convaincu par là dans les trucs. Donc, ça dit, tu es bon. Si tu es parti, c'est bon pour tout le monde. Les gens seront à l'aise. T'as compris? Toi-même, va t'aider aussi, tu vas te reposer. Là-bas, c'est un repos. Tu as trop travaillé. Tu vas prendre retraite anticipée. Partout il y a retraite. Tu vas aller prendre retraite anticipée. Maintenant, on ne parle plus de toi. C'est important. T'as compris? Maintenant, mets-toi à genoux pour parler, pour dire à partir d'aujourd'hui, tous ceux que j'ai gâtés, j'ai détruit dans cette famille, je les libère, je les laisse au nom de Jésus. Mets-toi à genoux. Je les défais, je les libère. Je libère tout ce que j'ai attaché avec un bon cœur. Et si jamais je quitte ici, que je reprends encore où je nie, j'accueille le foudroyer. Abdel, si je quitte ici, je reprends encore la sorcière que je veux. Non, je n'ai pas ça. Si je reprends encore la sorcière que je veux. Moi-même, là, j'ai envie de faire la chose. J'ai envie d'avoir un esprit dans sa vie, un esprit destructeur. Un esprit qui va te manger. Tu as assis la vie, ça te mord dans ton corps. Vous aimez faire ça aux gens? Tu es là, ton cerveau, ça mouille ton cerveau, tu pleures. Ça mouille ton cœur. Et ta soeur, et pas de ta garde, saut de yaka, d'opponu.
On l'a bien, tu es délivré. C'est fini. Voilà, comme tu as pleuré, trop pleuré, Dieu a donné sur tes larmes. À partir d'aujourd'hui, là, le malheur va s'arrêter. C'est arrêté maintenant dans ta famille. C'est fini. Les choses ont changé de camp. C'est ceux qui vont vous attaquer là, qui seront attaqués par Dieu. Amen. C'est fini. On cherchait loin, pourtant, diable est dans nos maisons.